Pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonnez à la chaîne là. Et en plus de ça, activez la cloche notification. Il y a une façon pour ne pas rater puis cette nouvelle vidéo qui n'a pas lagué. Eh bien, let's go! Des fois, vous devez avoir deux personnes dans une relation, ou même des têtes, comment vous devez faire d'amour comme ça? Ou bien, comment vous faire pour vivre l'amour sans problème? Eh bien, ça vous doit connaître que pas de pièce dans une relation qui est parfaite. Donc, ce qui est plus important dans l'amour, c'est apprendre à connaître une autre et puis accepter une autre tout. Il y a beaucoup de représenter l'amour en deux personnes. Pour l'amour, il y a des gens qui sont prêts pour faire un pile sacrifice. Malgré toute définition que c'est attribué à ce bagage, mais qui toujours était un bagage inexplicable. Et ça qui donne là, manifeste côté. Par exemple, il y a l'amour entre deux personnes, les royaux qui ont fait saisir et même réfléchir même. Comme ça, tout, il y a des gens qui ont l'amour pour un bagage qui pas même existé. Eh bien, pourquoi saisir? Parce que dans la vidéo, ça, on peut découvrir avec plusieurs personnes qui sont en couple, les fins de l'histoire qui ont même fait un saisissement. Je ne pas oublier pour me saluer, nous. Comment nous sommes les gens? J'espère que tout bagage en forme. Eh bien, je retourne encore avec une nouvelle vidéo pour vous, pour vous présenter un couple ça qui est vraiment étrange. Pas oublier, si vous pouvez abonner à la chaîne là, faites ça couler à même une façon de pas rater l'autre belle vidéo que m'a posté exactement pour vous même. Like vidéo pour vous montrer nous que vous remèlez et si vous partagez, ça fait nous un pile plaisir. Et déjà, je dis merci pour le support. Eh bien, on a découvert le couple ça avec couler. Numéro 1, Amélie et Sean. Bien peut-être que doit pas quoi, mais sur internet précisément sur une pile plateforme tant que Facebook, il y a une pile relation qui arrive construit ou bien rencontre qui fait à partir des plateformes ça. C'est ça qui fait toujours dire aller plus facile pour faire amis, pour ne pas même dire tomber d'amour grâce à la plateforme ça. Et bien c'est même cas ça qui présenté pour Amélie et Sean. Amélie c'est une danoise et puis Sean c'est un britannique. Et bien si vous doutez toujours, ma fait connaître que depuis Jean ça pas rencontré ni dans un bar. Mais yo premier faire connaissance grâce à une plateforme jeux vidéo en ligne. Mais ça on doit connaître pas parce que on rencontre sur internet qui fait couple ça paraître un couple qui est extraordinaire. Mais il y a un bagage qui passe entre deux monde ça qui prouve que l'amour pas gain barrière, Jean parole là toujours dit là. Amélie Jean regarde là c'est un monde qui obèse mais qui accepte tête li malgré problème ça. Et bien Marie qui s'est chaune pas gain pièce problème tout avec madame li. Malgré problème au contraire, li Delvin accepte tête li Jean li. Contrairement à Amélie, Sean Gion Gosse qui normal. Yo t'a fait première rencontre grâce à une plateforme jeux vidéo en ligne qui t'a pas permettre yo vinn devenir de meilleurs amis. Donc bagay ça t'a pas le faire yo vinn transformer amitié ça en l'amour. Ça fait plusieurs années deux moun ça a vivre l'amour sans condition. Au point que à l'aide de rencontre yo, Amélie expliqué que internet c'est un moyen pour faire nouvelles connaissances, surtout sous plateforme jeux vidéo, même si monde ça apparaît peu romantique. Ça veut dire environnement jeux vidéo. Il continue pour dire que à l'aide des plateformes ça, on peut rencontrer des gens qui partagent même passion avec vous. Malgré que vous avez vu les photos, yon by lot, Marie qui se chante pas jamais sous ciel de forme. Au contraire, il était continué à parler avec jusqu'à ce que vous venez devenir de bons amis. Après un bon bout de temps, vous avez fait des amis, vous avez venu réaliser que yon remet lot et c'est comme ça que vous avez commencé une relation à distance. Un an après, vous avez rencontré et vous avez marié pour que le couple a vivre en Angleterre et selon ça, vous faites connaître, vous vivez une vie qui est heureux. Numéro 2. Monica Riley et Sid. Ça c'est un autre couple encore qui est étrange en pile. Et bien couple ça c'est Monica Riley et Marie qui c'est Sid. Monica c'est un jeune texan qui a 27 ans, mais fils a été un rêve qui a même fait ceci. Malgré ça qui paraît étrange ou pas le compte pour qui ça? Et bien Marie qui c'est Sid te mette disponible et disposé pour aider madame lui réaliser rêve ça. Si quelqu'un a couru derrière trop gras ou bien trop gros, eh bien, rêve Monica c'est pour te arriver à peser 444 kg. Eh bien, pour moi, il ne trouve pas de problème dans ça. À cause de mon lit pour lui, il n'a pas compté abandonner madame li à cause de était obèse. Au contraire, il a aidé à prendre un régime alimentaire pour aider à atteindre l'objectif. Ce qu'a fait saisir net, c'est parce que c'est dans un entonnoir, j'ai regardé la marine et d'elle prend j'en des aliments qui gagnent en pile calories. Après 2 ans, Monica t'a pas gagné un petit monde, il était obligé d'abandonner rêve li. Par la suite, en 2018, il était obligé de subir une opération chirurgicale, une façon pour t'aider à perdre 10 poids, pour que tu puisses vivre en bonne santé. Numéro 3, Joelison Fernandez da Silva et Evem. Joelison est un Brésilien qui vit à Sensao, qui est une ville qui trouve dans la partie nord du pays Brésil. Eh bien, depuis la Joelison t'a gagné 21 ans, il était déjà mesuré 2m34. Mais ce qui cause Joelison gain tout côté ça, c'est à cause d'une tumeur que d'après ça le fait connaître qui pas fait le fier de hauteur ça. Bagay ça t'a pas le fait le vin très célèbre dans le pays qui c'est Brésil et qui t'a pas le fait le jeune en pile monde qui remet.
Ça que t'as pas le passé, c'est que Jolison t'a fêté anniversaire et puis y'en a un fanatique qui s'est évêque, t'as pas le voyer un message sur les réseaux sociaux pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et bien rapidement, bagage, ça t'a pas le fini par une relation entre deux mounsaïos. Y'a t'a échangé un numéro et par la suite, t'as pas le fait premier rencontre. Côté que demoiselle, ça a mesuré seulement, y'a mètre 52 et puis il gagne seulement 21 années. Après quelques mois, deux mounsaïos t'ont décidé de te marier, mais le problème qui présente, c'est que y'a pas qu'à faire Timoun à cause des problèmes santé Jolison. Et bien ça qui m'a le passé, t'as mal obligé d'adopter un petit monde. Numéro 4, Philippe et Suzanne. Je parle là toujours dire l'amour en deux mouns avec. Et bien, dans cas ça, je suis d'accord avec moi si je suis dit que je suis d'accord avec la parole ça. Philippe depuis là le fait, il était une femme qui vraiment raconte qu'il était une maladie qui est la dystrophie musculaire. Ça veut dire que c'est une maladie qui est liée à la faiblesse musculaire. Mais problème ça a pas empêché Philippe vivre la ville en tant qu'un homme marié et puis qui est ré dans relation lui. Même si maladie ça fait toujours dans un fauteuil, mais ça a pas empêché que Suzanne accepte de faire ville avec Philippe. Depuis là où t'es fait première rencontre, yo t'es senti l'amour yon pour l'autre. Mais à cause des problèmes santé Philippe, yo t'es obligé de tendre jusqu'à ce que Philippe senti maladie ça a pas bloqué avant de te marier. Et bien après un an, yo t'es marié côté que Suzanne personnellement chargé pour aider Marie dans toute sa li pa ka faire pendant journée. Lui même pas connaît que lui pas jamais songé un jour qu'elle pensait que Marie c'est dans une chaise roulante qu'elle y est. Et c'est un plaisir pour lui pour le bon côté Marie chaque jour. Malgré des efforts physiques Philippe, Suzanne pas de sentir qu'il y a un pire problème pour te marier avec elle. Numéro 5, Tommy Edward Crutchfield et Stacy. Tommy Edward c'est un américain qui a fait élevage reptile. Tommy a 70 ans qui part empêcher de mettre en couple avec Stacy qui a seulement 37 ans. Côté que l'âge Tommy presque fait double l'âge Stacy. Donc, j'ai toujours dit là, depuis que ça fait l'amour, pas de question l'âge. Même si ça paraît peu surprenant, deux moun yo fait connaître que yo pas inquiété sur ça mon abdi. Tommy fait connaître que li senti l'erre en pile parce que selon lui-même, yon madame qui gagne moins que 32 ans, parce que c'est plus mon bagage qui te arrivé. L'amour ça t'a pas commencé, c'est après que Stacy t'a pas fait une visite dans ferme Tommy. Eh bien, visite ça t'a pas mené en affection qui t'est venu du jour au lendemain transformé en l'amour. Et depuis là ça, y'a vivent ensemble et y'a passé la majorité de temps à travailler ensemble dans la ferme ça. Numéro 6, Akiko Kondo et Atsumi Miku. Akiko Kondo te marié à chanteuse J-pop virtuel ça qui est Atsumi Miku. Donc ça aussi parce qu'on est de Atsumi Miku, c'est que c'est pas un monde réel. Donc c'est un personnage virtuel qui ont intégré dans un robot que vous t'as considéré comme un type poupée par exemple. Et bien, à qui côté marié à Katsumi, côté que t'es gagné environ 40 pour qui t'es assisté à ce mariage là. Et bien, j'aime dire là, mariage ça c'était entre un garçon et un personnage fictif. Ça veut dire un personnage qui pas existé en réalité. Information que vous déconnez, c'est que mariage ça t'a coûté plus que 15 000 euros. Atsumi Miko, c'est un personnage de fiction qui t'a créé en 2007 par Krypton Future Media, qui t'est rapidement devenu une icône dans la tendance pop japonaise là. Personnage ça a gagné apparence d'une jeune fille qui gagne 16 ans. Eh bien, li c'est une véritable star sur YouTube tout. Li sorti album, li assis en présentation tout sous forme d'un avatar projeté en 3D. Eh bien, mariage entre Akihiko et personnage virtuel ça a pas vraiment choqué moun dans le pays Japon. Parce que c'est là où même si un bagage normal. Même si c'est différent par rapport avec nous même qui dans l'autre continent. Les autres qui fait pas choquer, c'est parce que minorité sexuelle, là, ça veut dire monde qui pas pratiquer sexe avec tout le monde, ça vient vraiment très en vogue dans le pays Japon. On a parlé de bisexuel par exemple. Mais malheureusement, aventure entre Akiko et Atsumi par le point fin. Eh bien, quittez Mexico pour qui ça. Raison, c'est parce qu'il y a une mise à jour qui parle fait dans Obosa et que, dans le moment cérémonial, Akiko t'a déclaré jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour séparée nous. Ça veut dire que là, avec Obosa, c'est jusqu'à ce qu'il y ait une mise à jour là-dedans. Eh bien, moment pour mettre à jour Obosa presque arrivé. Donc, laisse à Obosa prendre le besoin d'un autre système qui peut permettre de fonctionner encore. Mais, bonne nouvelle là, c'est que l'entreprise qui te fabrique Obosa promet à Akiko une nouvelle machine qu'elle fait connecter la paquet à deux bras. Même si elle n'est pas confiée que la pré-mariée encore. Donc d'abord même, qui ça vous pense de bagaille ça? Yon moun kap marié avec yon robot. Pas hésiter à quitter le commentaire la couleur pour dire nous qui ça vous pense. Numéro 7, Elizabeth Owen et Logan. Ou ka peut-être mettre dans la tête aussi un garçon avec yon fille, eh bien, ou trompez ou? Parce que c'est une femme avec yon chien. Bagaille ça m'a de réfléchir. Je nous toujours connais ça, chez son yon nan meilleurs amis, yon moun ta gen. Bien que c'est un animal. Mais le nan réfléchi avec yon chien qui vient jusqu'à marier yon femme. Donc ça sont l'autre bagaille. Mariage entre Elizabeth et Chen, ça a un bagage qui est complètement étrange. Mais selon ça, le fait qu'on est, Chen l'a rendu heureuse. Et qui bat pas si bas qu'un garçon selon lui-même toujours. Eh bien, selon ça, Elizabeth fait qu'on est, il est marié 4 fois déjà. Et ça qui donne la pagaie, il y a un garçon qui rend heureuse dans le niveau bonheur à chercher.
Ça qu'a fait aussi dit plus dans l'histoire ça, c'est parce que la cérémonie a été diffusée en direct sur plusieurs chaînes britanniques. Numéro 8, Amanda Tigg et Jack Tigg. Amanda te préfère marier à qui un pirate, mais question t'a qu'à poser tête ou c'est qui genre de pirate lié comme ça? Eh bien, pirate ça, c'est Jack. Donc, information qu'on t'a supposé connaître, c'est que Jack ça a été mouru ça fait 3 ans. Et puis, en plus de ça, il était enterré dans le pays nous qui c'est Haïti. Toute coupe qu'on connaît des hauts et des bas. Eh bien, histoire ça a vrai avec Jack et Amanda. Mais, qui paraît un petit peu bizarre. M'a laissé quoi pour qui ça? Mounza a été rencontré, c'est lorsque Amanda t'est couché et puis il était senti présence Jack Bokotil. Donc, bagay ça t'est tellement allé rapide au point que il t'a pas vivre 2 ans ensemble. Eh bien, après la rencontre, Jack qui t'a trouvé que Amanda c'est une femme qu'elle a fait ville, il t'a décidé pour marier avec elle. Et Amanda t'a décidé de faire ville avec Jack tout. Pour ça, mon yon t'a fait, Amanda t'a loué un bateau et puis invité les amis, familles, et 5 timoun yon qu'elle t'a fait dans le mariage avant lui. Mais, baga ou t'a qu'à dire dans tête tout, donc qui ça m'a dit là? Parce que, moi t'a entendu que Jack mouri, ça fait 3 ans dans le pays nous qui c'est Haïti. Mais, font-il t'en avant poser question? Eh bien, si yon moun qui t'a manqué dans le mariage ça, c'était Monsieur Maguia. Donc c'est ça nous-mêmes nous qu'a pensé. Mais pour Amanda, Jack était présent dans la cérémonie parce que selon lui-même, il a communiqué avec moi. Mais ça qu'a fait rire, c'est parce que mariage ça pas dire parce que après mariage, il était commencé senti la malade. Qui t'a obligé le faire écraser quitter ça. Et bien, quand que bagaille ça a été fait manquer mourir. Selon lui-même toujours, Jack c'était un vampire qui a mangé moun. Et bien, donc mais ça qui arrive lorsque un monde choisi pour le marier avec un esprit. Bagaille qui me pas trop opiné parce que ça va dépendre de monde. Eh bien, m'a dit merci parce que vous avez regardé la vidéo ça jusqu'à la fin. Si vous aimez la vidéo, pas oublier, like-li. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, pas hésiter à faire ça couler à même, de façon pas rater nouvelle vidéo qui n'a plagué pour vous. Si vous partagez le tout, ça fait nous un pile plaisir. Pas oublier de quitter commenter par là pour dire nous qui est dans le groupe ça qui te fait plus saisir. Eh bien, m'a dit à tout de suite dans une nouvelle vidéo.